Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais pourquoi on trempe la souris dans l'huile? Bah voyons les enfants, c'est pour la torturer, évidemment. Ok! Vous avez déjà probablement entendu parler du sens caché des chansons pour enfants. Ah oui, comme il fourre le curé. Exactement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont portés sur le cul. Mais il y a aussi des comptines qui parlent de torture. Et c'est probablement le cas d'une souris verte. Je dis probablement parce que c'est très difficile d'avoir des certitudes sur des comptines populaires qui se transmettent depuis des siècles. Il y a d'autres interprétations, mais celle de la torture est celle qui revient le plus souvent. Mais alors ça veut pas dire qu'elle est sûre à 100%. Et non. Bon alors vous voulez pas que je vous la raconte du coup? Alors c'est vrai qu'une souris verte c'est assez chelou et ça laisse un peu penser qu'il y a une métaphore là-dessous. Contexte. En 1793, en Vendée, les paysans se soulèvent massivement contre la Première République qui est en place depuis un an. Or, les Vendéens ont pour uniforme des vestes vertes, et la Vendée c'est plein de champs partout, donc la voilà notre petite souris verte qui court dans l'herbe. Sauf que si un républicain l'attrape, on l'amène à ses messieurs les supérieurs et là, c'est dégant. Et si on l'attrape par la queue, ça veut dire par son pipoudou? C'est fort possible. En tout cas, il passe à la torture, plouf dans l'huile bouillante, plouf dans l'eau, qui peut aussi être bouillante ou servir à asphyxier. Bref, pas étonnant qu'on arrive à un petit escargot tout chaud et tout baveux de souffrance. Eh les enfants, est-ce que vous voulez une autre chanson? Oui. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, avec ses doigts, toi, avec ses doigts, doigts, ainsi danse Jean Petit. Oui, après c'est la main, le pied, la jambe, le ventre, la tête. Eh oui, c'est tous les membres qu'on lui a brisés à lui. Ouais. Contexte. 1643, dans le Midi, on est en pleine révolte des croquants, encore des bouseux qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Un de leurs leaders est le fameux Jean Petit qui se fait arrêter et condamner au supplice de la roue. On attache le supplicié sur une roue et on le fait tourner en tapant dessus de manière à briser ses os, en commençant par les zones non vitales. Les extrémités... Ses doigts... Avec la main... Oui, exactement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il crève, d'où l'expression « roué de coups ». Oui, tout à fait, Kevin. Donc, même si on n'est pas sûr, il est fort possible que la chanson « Jean Petit qui danse » vienne de cette histoire de torture. Allez, c'est la récré, on va pouvoir les danser. Ouais. Maintenant, il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est que c'est l'heure du dessin animé. Pour être sûr de n'en rater aucun, vous pouvez quand même cliquer sur la cloche. Et on se retrouve pour le prochain, le mercredi 1er janvier. Ce serait un bon remède à votre gueule de bois et une bonne façon de commencer l'année.